Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Resident Evil 4 et on va faire le chapitre 2-1 parce qu'on a fini le 1-3 et après c'est le 2-1, enfin si je me rappelle bien. Voilà, donc on va lancer ça et je vais vous laisser. Normalement il y a une petite vidéo, normalement une petite cinématique, je vais vous la laisser. Voilà, tout de suite. Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Voilà, donc du coup, je vous ai laissé la vidéo, tout ça, voilà. Donc, il y a juste un truc. C'est que comme vous voyez, vu que bah, je pouvais pas sauvegarder, enfin j'avais pas sauvegardé juste parce que j'avais rangé mon inventaire. Donc du coup je vais faire juste on va dire une petite ellipse. Je vais faire une petite ellipse, du coup on se dit à tout de suite pour l'inventaire qui est rangé, tout simplement. À tout de suite. Voilà, donc du coup j'ai rangé exactement comme il était la dernière fois. Donc du coup on peut bah, continuer l'histoire, c'est parti. Donc on récupère ce qui a besoin d'être récupéré. En même temps, on profite de prendre. Ah, on profite de prendre la fiche. On prend la grenade aveuglante qui est très très importante. Et donc, c'est parti, on y va. Bon, alors là, on va pas tout de suite aller dans l'action. Je crois pas qu'il y ait ici. Non, mais non. Ah, donc là, on va pas tout de suite aller dans l'action. On va d'abord aller là. Alors, on va aller ici. Pourrais pêcher, mais bon, c'est un peu trop long, c'est perdre du temps pour rien. Moi, je vais juste aller à l'essentiel. On va au fond et on récupère ce qu'on a besoin, tout simplement. Oh, attention. Ça c'est fait. Du coup maintenant on va aller derrière le comment ça s'appelle, derrière le marchand, enfin derrière sa boutique en tout cas. Ça on pourra récupérer 2-3 trucs, des balles en fait, des balles de fusil à pompe et puis l'autre je sais plus ce que c'est. Ok. Alors, je crois aussi que là il y a un... ouais, enfin si, c'est même pas je crois, c'est sûr. Voilà, il y a ça là, hop, très important. Et on mais on l'a. Voilà, on combine avec ah, avec le masque, voilà. Donc ouais, c'est non manque un, mais il est bientôt là. Ok, bon. Bah du coup c'est parti, on descend. Bon, on peut pas. D'accord, c'était juste un petit bug. Ouais, donc ah oui, ouais, sniper. Et normalement fusil à pompe si je me rappelle bien. Bah merde, y'a que ça. D'accord, ok. Non bon voilà. Comme quoi. Je pensais qu'il y avait autre chose, mais non. Pas du tout. Genre nouveau truc, non, rien. Non bah, mais arrête, je m'en fous. Voilà.
Voilà, donc je sais pas quoi faire là. Attends, le pistolet. Ouais, donc déjà on va vendre ça parce que ça ne sert strictement à rien. Non, ça non. Ok, la spinelle. Ça on s'en fout, on peut rien faire avec, ça non plus. Ça, attention, on y garde, très important. Ça, on se fera un max de thunes après. Donc j'ai combien là? Ouah, ça va. J'aime bien être blindé de fric comme ça. Ça fait toujours plaisir. Bon. Du coup. Je sais plus s'il y avait quelque chose là. Je crois pas. Hein. Ah non, il y avait rien. Bon, c'est pas grave, je disais des balles pour rien, c'est pas non plus la mort. Hein. Ouais, c'est parti. On retourne dans notre grand lac. Du mal. ouais, donc du coup, on va commencer à aller dans l'action des ténèbres. Alors, du coup, hop, on descend. Pas de soucis, hein, tu fonces à fond, pas de problème, tu descends comme ça, quoi. Alors, je crois que... Voilà. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose ici. Là, je sais plus s'il y a quelque chose. Bon, c'est parti. Parce que des fois dans ces trucs là, il y a des spinels en fait, mais bon, je me rappelle plus où c'est exactement qu'il y a les spinels, donc je vais pas non plus toutes les faire, ça serait trop long quoi. Voilà, voilà. Et quand il y a ça, bah le mieux ça reste d'avoir une truc aveuglante quoi. Mais bon, vaut mieux qu'on les garde pour la maison de toute façon. Pour l'instant, on va pas les utiliser, ça sert à rien. Non. Tiens, c'est con ça. Hein. Merde, j'avais oublié ça. J'avais oublié, effectivement. Allez, ta gueule. Non. Oui, 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 oui. Voilà. Allez, allez, hop là. Voilà, donc on prend les 5000 pététasses. Et donc du coup après, attends, jusque. Ah, c'est ce qui me semble. Voilà, donc c'est parti. Voilà, il faut pas oublier le... Ah, il faut pas oublier les spinels qu'il y a sur le mur. Très important. Bon, après, si vous voulez de l'argent. Oh, s'il y a rien du tout. Oh, regardez, on va le voir briller juste à droite. Ah, même pas. On le voit même pas. Calme-toi, toi. Voilà, donc comme ça, on a notre spinel. Pinel, ça nous fait 2000 2000 pétasses en plus, voilà, qu'est-ce que je te dis, moi. On en faut disant plus ça comme ça. Hein. Bon voilà, donc ça nous fait 2000 pétasses en plus et donc du coup bah ça fait quand même pas mal d'argent. Bon, c'est vrai que quand on a 180 000 on voit pas trop la différence, mais bon, petit à petit hein. 2000 plus 2000 plus 2000 ça va vite. Hein. Ah, c'est espagnol. Bon. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu. Bon, c'est pas grave. Hop. Hop. Voilà. Ouais, bon, on va y aller, hein, de toute façon, on a que ça à foutre. On est obligé de toute façon d'aller là, donc on va pas faire autrement. Hein. Ouais, il pourrait passer sous la cascade, hein, mais bon, il est un peu trop débile pour ça, donc forcément, le mec, il est obligé de passer par là, quoi. Bon, ouais, c'est parti.
On monte, cher Léon. Voilà, donc on éteint tout ça. Nanana, nanana. C'est le même à chaque fois quoi. Cet endroit là c'est celui-là, pour un autre endroit c'est le même. Un endroit où il y a ce bruit là. Bon. Bon là il y en aura une petite surprise qui nous attend. Hein, bon. Voilà. Moi généralement je me fais pas. C'est vrai que j'avais oublié. Voilà, donc bon, généralement je vais là, puis je me fais pas bien chier. Quoi. Hey, tu vas voir un truc marrant, tu vois. Non, mais c'est super marrant, franchement, je te tiens. Ah merde, je me suis raté. J'aurais pas cru qu'il arriverait à esquiver, dommage. Dommage. Le truc, c'est que j'ai pas envie de me faire chier. Ah, j'ai appuyé sur X. Oh oh, je suis dans la merde les gars. Comment vous dire que je suis dans la merde? Oh mais je vais tirer dessus, c'est dégueulasse. Putain de bordel de merde, brûle, ça fait pédé. Non, je rigolais, je rigolais. Oh, what the fuck. Putain, ça va pas le faire ça. Ouais, mais attends. Donc du coup, re tout le monde, hein. Là je suis revenu ici. Ah, donc cette fois, je m'y prends un peu mieux. Ah. C'est déjà mieux. Oh, oh mais putain, je tire. Ah, ils sont sérieux là. Et pourtant j'ai tiré. Je vous assure que j'appuie quand même mal dessus. Il y a des fois ça appuie pas, c'est chiant. Bon, on va faire la vieille technique. Hein. Ouais, mais il n'y a plus personne. Hein. Ouais. Pouf, putain, j'ai eu chaud. Non, mais oh, vous voyez, mais franchement, c'est hallucinant. Ça, je tire dessus, rien du tout. C'est bon, saoulé. Enculé. Ouais, j'adore quand ça fait en doublette comme ça. Et dans en même temps quoi, c'était fort ça. Ça c'était fort. Bon bah voilà, une fois qu'on s'en est débarrassé, c'est plus simple d'un coup. Et ouais. Bon. Donc du coup déjà on va faire ça. Voilà. Puis on va monter là-haut. Ok, ok. Rien d'autre? Ah, donc, ça me fera des sous en plus. Et c'est tant mieux. Oh, je fais n'importe quoi. Voilà, ce qui va nous permettre d'ouvrir l'église. Voilà, ça on pourra sauver madame. Enfin bon. On verra bien ça sur le moment. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Bon là par contre, faut bien penser à casser la ah, je sais plus comment ça s'appelle, le flambeau là, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que normalement, voilà, il y a un spinel dedans. Voilà. Donc là, hop, on récupère ce qu'il y a dedans. Okay. Alors par contre là, c'est pas pour vous dire, mais c'est pas un bon.
Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je vous assure que l'épisode est bientôt terminé. Mais il reste pas beaucoup de temps. Hein. Par exemple, on aurait juste à marcher, ça serait fini dans 5 minutes. Mais le truc, c'est qu'il y aura quelque chose entre. Enfin, en gros, il y aura quelque chose qui va nous barrer la route, on va dire. Et donc, du coup, ça va prendre un peu de temps. Surtout que je suis au pistolet, quoi. Donc, c'est vrai que ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et donc, du coup, bah. Et bon, on va essayer ça. Je pense que je vais beaucoup mourir. On verra bien. Si vraiment vous voulez y arriver ici, je vous conseille de prendre la mitraillette, la TPMP, je crois. Attends, non, la TPMP, c'est une émission, c'est pas pareil. La TMP. Ah, donc faut prendre la TMP ou un lance-roquette si vous voulez. Hein. Si vous voulez pas vous faire chier, vous prenez le lance-roquette. Mais vous pouvez aussi prendre la TMP. C'est pas très grave, quoi. Ah. J'hésite de la prendre, tu vois, pour vous montrer, tu vois, pour qu'on soit pareil, quoi, ça. Pour montrer que c'est pas si grave que si on en prend maintenant. Mais j'ai pas envie de la prendre, là, ça. Vous me faites chier, ok? Bon, Oh, par contre, n'achetez jamais ça, ça sert à rien, quoi, c'est pas. Enfin, ça dépend après, mais bon. Ça dépend de qui, voilà. Mais sinon, ça sert pas à grand-chose. Donc, la TMP. Si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci, ça peut vous aider à tuer l'autre là. Ou sinon vous achetez un lance-roquettes si vous n'avez pas envie de l'acheter maintenant. Vous faites comme vous voulez. Mais bon. Sinon, si vous êtes chaud, vous pouvez le faire aussi au pistolet. Ce que je vous conseillerais. Ouais, je sais pas. Moi je dirais plus le. Bah attends, il y a quoi après? On va le bas. Ouais. Franchement, si vous achetez la TMP maintenant. C'est mieux que si vous achetez un lance-roquette. Vaut mieux pas acheter lance-roquette maintenant. Ça coûte trop cher, ce serait du n'importe quoi, quoi. Vaut mieux prendre la mitraillette, y a pas de souci, hein. Vous voyez, on a des balles. On a quand même ce qu'il faut. Normalement, ça devrait aller. Là. Attention. Je me demande comment c'est possible d'avoir quand même un si gros troll comme ça, enfin je sais pas quoi. C'est quand même un peu bizarre. Alors là par contre, c'est la merde hein, comme vous voyez. Je pense que je vais attendre de prendre une jaune. Pas de prendre une. Prendre une rouge plutôt. Ok. Ce qu'il y a là-dedans. Oh putain, non, je rigolais. Oh, j'ai cru qu'il m'avait one shot. Oh, j'ai eu peur. J'ai dit non, non, c'est pas possible. Putain, j'ai eu peur. Oh là là. Voilà, donc normalement, ouais, il y a le chien qui vous aide. Si vous l'avez aidé au début. Mais en facile, je crois qu'on peut pas l'avoir, je crois. Je crois que c'est que en normal et professionnel. Je sais plus du tout. Ouais, putain. Il est vénère, lui. C'est pour ça que c'est bien d'aider le toutou un peu. Là, arrête quand même. Non, tu fonces pas, hein. C'est pas le fou.
Fais gaffe parce que là il vous fout des coups de cou... enfin des coups de pied. Si vous êtes près de lui comme ça, des fois il vous fout des coups de pied. Fais gaffe. Voilà, un peu comme ça quoi. Oui, non mais tout à fait normal. Voilà, c'est le genre de truc que dans les jeux, moi ça me saoule parce que quand tu te fais shooter comme ça de rapidos, c'est vraiment très chiant. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais enfin bon. Oh! Putain, tu joues à ça toi? Espèce de fils de pute. Oh, ouais, non, apparemment il faut peut-être se barrer. Se barrer, il faut même peut-être utiliser ça aussi parce que je suis dans la merde. Non oh, il faut esquiver. Ah non, c'est bon. Merde. Voilà, tu fermes ta bouche. Ouais, franchement, je vous conseille la TMP. Ça sera que mieux. Que des conneries. Ah là 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 là. Que t'es moche toi. Oh merde. Une espèce d'enfoiré de merde. Ouais, par contre j'aurais peut-être pas dû faire ça. Là je suis dans la merde. Allez là, putain de ta mère. Je suis dans la merde. Ah non, ça va. Bon, par contre, le chien il me sert plus à rien, c'est chiant. Oui, non, mais attends, je rigolais, mon petit gars là. Quand je te disais que j'aimais bien me prendre des troncs d'arbres dans la tronche, je rigolais. Hein. Ah bon? Déjà? Ok. Bah, tant mieux. Oh oui, c'est bon ça. Oh non, mais allez, comme par hasard. Oh, mais c'est vraiment dégueulasse ce jeu. C'est vraiment dégueulasse, putain. Vas-y, ferme ta gueule, espèce de nid à quoi de mes deux. Putain de maître de merde. Casse les couilles, toi. Hein. Mais tu vas me lâcher, oui, tu vois pas qu'il y a un vieux chien là-bas là, qui te casse les couilles. Ah, c'est pas possible ça. Wow, wow, wow. J'ai eu chaud. Tu sais que tu me casses les couilles, toi là. J'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit, tu me mets déjà sur moi. Quoi. Et il m'a saoulé. Voilà, prends ta vieille pierre de merde. Ah mais je peux pas esquiver, d'accord. Bon, ok. Alors il peut esquiver un gros mec qui lui fonce dessus, mais une petite pierre, non, ça par contre. Impossible. Quelle pourriture ce jeu. Hallucinant. C'est comme si je pouvais guérir d'un cancer et pas d'une grippe, s'il te plaît, quoi. C'est complètement con. Putain, mais c'est quoi cette salope? Mais c'est un truc de fou, mais... Putain, n'importe quelle merde, c'est pas possible. Et voilà, à chaque fois c'est la même chose de toute façon.
Ouais, tu peux esquiver ça, mais une petite pierre, non, ça c'est pas possible. D'accord, ok, pas de soucis, mais fous-moi encore des grosses patates comme ça, tu vas voir ce que tu vas voir, toi. Espèce d'enculé. Espèce d'enfoiré de fils de chien. Bon, t'es mort? Putain. Oh là là, il m'a bien fait chier celui-là. Hein. Quand t'as une maître de merde, c'est putain de violent. Bon. C'est fort quand même, juste parce qu'il est mort, ça s'ouvre. Allez hop, 15 000, c'est ça, hein? C'est ça, voilà. Bon, ce qu'on va faire. Ah non, ok. Voilà, donc là on récupère tout ce qu'il y a dans les maisons, tout ça. Important. Plus on a de choses, mieux c'est. Ah, c'est quoi déjà? Oh, ok, d'accord. Pas de soucis. Bon. Donc du coup maintenant on va, on va aller à l'église. Après avoir battu ce cher monsieur. Ça va, je suis pas mort, ça va. Je vous conseille comme la TMP pour avoir un peu moins de dégâts, mais bon. Après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que pour l'instant, elle ne sert pas vraiment, donc voilà. Vous faites comme vous voulez, hein, si vous l'achetez pour le boss ou si vous voulez pas l'acheter, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vous qui choisissez. On a suffisamment de balles de pistolet pour le tuer de toute façon. Voilà, moi je voulais faire au couteau au départ, mais je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas bien. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Au moins il y a des sous là, non? Que dalle, quoi. Oh là là. C'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Non mais bon, voilà quoi. Bon là par contre ça va être un peu chiant. Coucou. Comment tu vas? Perso, moi je reviens de vacances. Ouais, c'est tranquille. Puis j'ai appris à viser depuis le temps, donc je reprends ma revanche. Oh mais putain, mais d'où ça tire? Ça tire je sais pas où là. Ah ça le problème avec cette connerie. Ah ouais, ça j'avais oublié. Ouais. C'est pas que j'ai bien envie de vous avouer que je suis dans la merde, mais un peu quand même. Ok, bon, bah voilà. Voilà. Voilà, on va pas... On va pas tenter le diable, hein, j'ai envie de dire, voilà. Voilà, voilà. On va vite rentrer, voilà. Ouh, on se calme. Moi, j'ai rien fait, hein. Je suis là par courtoisie. Voilà. J'ai pas trop envie de mourir, en fait. Surtout par des chiens, quoi. C'est la merde, Joe. Wow, wow. C'est la merde, Joe. Wow, wow, wow. Bon. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, putain. Hop, on monte juste en haut pour pouvoir réussir l'énigme. On va réussir l'énigme. Et comme ça, on sera tranquille.
Voilà, j'ai là. Ok. Hein. Alors, juste avant de faire l'énigme, on va récupérer ce qu'il y a là. Hein. Pour une grenade en plus. Donc, du coup, on va réussir l'énigme. Je me rappelle plus exactement comment c'est, mais je devrais réussir plutôt facilement, je pense. Normalement, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Combine-moi ça. Bim! Skill BG. C'est mi. Skill BG. C'est mi, c'est mi, c'est mi. C'est mi, c'est dans la vie de quelqu'un. Allez, c'est parti, on va voir qui c'est qu'il y a derrière cette porte. Handicapé. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. Je suis plus malade. J'ai déjà pris mon suppôt. What? My father? That's right. And I. Mais vous êtes father? Attends, on récupère des trucs avant. Voilà. Ah mais non. Je suis fait là. Oh, 2 secondes. Oui. En espérant qu'il n'y ait pas les chiens quand je short, parce qu'en fait moi généralement je les tue les chiens quoi, en fait j'ai jamais essayé de pas les tuer, je les ai toujours tués les chiens et en fait le problème c'est que dès que je vais sortir, je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il va y avoir les chiens qui vont me tuer, donc ça fait un peu chien en fait, mais bon on verra bien, de toute façon j'ai un peu beaucoup de grenades, il va falloir les utiliser. Voilà, donc du coup. Du coup, on va descendre, non? C'est parti. Non, enfin bon. Oh, faut pas chier. Ouais. Nye. Ah non, j'ai peur. My name is Osman Sadler. My name is John Cena. Là, ça serait mort. To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. T'as envie de dire que si on serait à sa place, on serait déjà à la fin du jeu. I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift when I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Ah oui, j'ai oublié. Ah non, c'est bon. Je me voyais autrement. Bon. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. Bah, je vais te péter la gueule et tu vas fermer ta gueule. We can get out of it. Mais non, je rigole, c'est une blague. Ah merde, ah, je vous avais dit hein, que c'était bientôt la fin. Bon bah, moi j'ai envie de dire le suspense est à son comble. Ah oui, alors mais là vous allez me dire, mais pourquoi? Eh ben tout simplement parce que j'ai plus beaucoup de vie. Et qu'il y a les chiens qui m'attendent après. Eh oui.
Enfin, s'ils sont encore là, hein? On sait pas. Voilà, moi non plus, je sais pas d'ailleurs. J'ai jamais tenté l'expérience. Et ça me tente pas de le faire. Voilà, donc bon, bah c'est déjà fini, hein. Donc ça a duré un peu moins de temps que la dernière fois, qui a duré comme 55 minutes. Ah, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, donc bon, bah j'espère que ça vous aura plu, hein. Donc voilà, on va sauvegarder quand même. Ok, qu'il y ait une coupure de courant ou un truc dans le genre. Ça serait un peu con. Voilà. Et voilà, donc du coup la fin du chapitre, machin. Et voilà, donc après ça sera le 2-2 la prochaine fois, hein. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, hein. Moi c'était plutôt pas mal. Attention, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, des sous. Voilà, donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'était, je sais pas. Ouais, je sais pas. L'épisode était pas mal, ça va. Mais il n'y avait pas grand-chose, hein. Bon, c'était normal aussi. Il n'y avait pas énormément de choses. Voilà, il n'y a pas toujours beaucoup. Enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, j'étais bien content de jouer à Resident Evil 4, ça c'est sûr. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé tout ça. Nanana, et je sais jamais quoi dire, ça m'énerve. Donc du coup, bah moi je vous dis ciao. Voilà, donc du coup, bah ciao tout le monde. Bye.